Bonsoir, je m'appelle Mathilde Audouin, j'ai 20 ans, j'habite à Saint-Germain-les-Belles en Haute-Vienne. Je suis passionnée de sport, je pratique le basket en club et la course à pied, le ski et le VTT descente en loisir. D'ailleurs, une petite anecdote, la première fois que j'ai fait du VTT descente, j'ai fait une grosse chute, j'ai fait un soleil. Si vous ne savez pas ce que c'est en fait que le vélo est passé sur moi. Donc je me suis retrouvée avec la trace de la roue sur le sac à dos. Mais bon, ça ne m'a pas fait peur, ça ne m'a pas empêché de reprendre mon vélo. J'ai pas froid aux yeux. Que cela ne vous empêche pas de faire du sport, c'est très bon pour la santé. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu. Bonsoir, je m'appelle Maëva, je viens de Lépau, en Creuse. Dans la vie, je suis simple et naturelle et intrépide. Ma passion à moi, c'est les promenades, surtout avec une amie. On fait ça très régulièrement et une fois, je suis allée me promener avec elle près d'une rivière. L'endroit était magnifique, on a voulu prendre des photos, tout était parfait, jusqu'au moment où j'ai décidé de monter sur un rocher. Elle a voulu prendre le cliché, j'ai basculé et je suis tombée dans l'eau. Mais les photos étaient magnifiques. J'étais mouillée, mais c'était joli. Comme moi, vous adorez les balades près des rivières, faites attention, c'est des choses qui arrivent. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonsoir, je m'appelle Victorine, j'ai 20 ans et je viens de Brive. Je n'ai pas toujours assumé mon physique tel que je vous le présente aujourd'hui. Dans mon adolescence, j'ai souvent été critiquée, on me trouvait trop ronde, trop grande, avec des cheveux trop imposants. Et donc imaginez, avec plus d'un mètre 80, comment il était difficile pour moi de me cacher. Aujourd'hui, je m'assume pleinement et c'est donc pour cela que j'ai décidé de participer à cette élection et de la partager avec vous ce soir. Bonsoir à tous, je m'appelle Angélique, j'ai 21 ans. Dans la vie, je suis une fille souriante et naturelle et les choses simples sont celles qui me plaisent le plus. Je me dis souvent aussi que j'ai un côté réservé et timide. Cela est dû à une expérience que j'ai eue au collège où on m'a fait beaucoup de moqueries et ça m'a dû une phobie scolaire. Tout ça à cause d'une couleur de cheveux que j'avais eu l'idée de faire. Et c'est parti en plaisanterie, on m'a traité de sorcière et de toutes sortes de choses. Depuis ce jour, je suis restée sensible au harcèlement scolaire, mais je reste quand même cette même fille souriante au grand cœur, prête à vivre de nouvelles aventures chaque jour. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Apolline Hardier, j'ai 18 ans, et je viens de la commune de Sainte-Fer en Creuse. Dans la vie, je suis quelqu'un de très déterminé, mais surtout, je suis très perfectionniste. Mais bon, il faut un début à tout. Quand j'ai commencé la conduite accompagnée avec ma mère le premier jour, j'ai un peu oublié de m'arrêter quand j'ai vu le mur de la maison devant moi. Mais je vous rassure, aujourd'hui, ça va mieux. Je dois y aller, je vous souhaite une excellente soirée.